La police, yon l'autre fois encore, fait cadavre dans le camp bandit. Yon l'autre fois encore, la police mettait de l'eau dans le groupe gang dans le pays. La fois ça, c'est dans la commune Tabar, dans la zone Tabar 60. Côté que, en ben, une opération policière arrivée, la cause, trois bandits fait voile pour pays. Sans chapeau, nan boukante coup de balle, échange de tir avec les forces de l'ordre. C'est comme ça, oui. Ben, trois bandits, valet ak de naissance, fanatique Joe Canel, journal 9. La police gon jan commence à ne sa la, sou kon Barcelone Gordio la kap marche pren équipe, passe au 3-4-0. Ben, et comme ça, la police li même, pendant commencement à ne sa la, pendant mois janvier sa la, la fait bois pour bandit. La mette cadavre dans camp bandi yo. Eh ben dans Tabar 60 côté que la police te recevoir une alerte côté que te signalé il y a des individus lourdement armés qui entraient dans caille un juge de paix. Eh ben sans perdre du temps, la police te dépêché en équipe sous place. Et l'équipe l'arrivée, effectivement des nèg armés caille citoyen. Et yo te automatiquement mandé renfort parce que nèg exam yo bandi yo te gen bon zam nan men yo. Et sak bel la, renfort pas de printemps pour venir. Oh, que ce soit nèg Udmo qui sorti dans quoi des bouquets, mais tout deux unités de bri, eh ben te gen des agents de SWAT tout qui te rivé sous place. Di ouais nèg yo te gen bagay nan men yo. Agent SWAT sous place, Udmo sous place, bri sous place. Di bandi yo te gen causé nan men yo. Et pendant opération ça pour neutraliser bandi yo, coup de balle a chanté en bas côté la police, on l'autre bord ou gen nèg exam yo bandi yo k'ap mete coup de balle à tête tout et nan boukante coup de balle à gauche à droite, gen trois bandi qui tombé. Gen trois bandi qui va aller ak de naissance qui fait voile pour payer sans chapeau qui pral juger dans l'enfer ou bien dans paradis, nous par contre côté yo pral aller. Ben là, la police lui-même l'a informé que pendant opération ça, bilan, il y a trois bandits qui tombaient. Ils ont saisi tout, ils ont fusil d'assaut AR-15. Ouais, un fusil d'assaut AR-15. Dernier temps ça, monsieur bandit, monsieur gangio, ils ont utilisé les armes en pile, AR-15 là, ils ont utilisé en pile dernier temps ça. Ben la police lui avait saisi tout un pistolet de calibre 9 mm. La police saisit tout yon motocyclette cross couleur noire. Mais là, la police promet, hein, la police bay garanti, la continue travail pour lutter contre le grand banditisme dans pays là, kap met l'eau dans les citoyens. La continue frapper contre le grand banditisme qui pas suspend faire de l'eau couler dans les haïtiens, haïtiennes malheureuses dans pays là à causer insécurité. Donc trois bandits tombés, trois bandits qui t'es débarqué là car un juge de paix pour t'aller faire causer. Ah mais c'est la police qui fait causer avec monsieur yo. C'est la police qui danse son mauvais danse avec monsieur yo. Tout volé avec yo. Là avec yo. Oui, la police tout à la avec yo. Fanatique Joe Canel, journal 9. Mais bandits yo, la police doit frapper. Et bandits yo sorti griffe yo tout. Nèg yo commencé sorti griffe yo. Imagine on zone de coup ferme mat, son ti zone posé, zone moun pa tan débris, son tan débris c'est oiseau kap chanté, son tan débris son chien kap jappé, moun pa kont tan débris bal nan zone ferme mat. Mais nèg exam nan zone ferme mat, yo font fusillade là nan kafou ferme mat, côté ti bus habitué chargé pour Pétionville et gen nan station sa tout ou jwenn machine qui monte 15 kof sa ki ale Fojac. Mais nèg exam passé sous moto, yo ouvert coup de balle sou moun ki te campé nan station ferme mat là. Plusieurs moun pran balle. Gen deux moun qui mouri sous place. Gen deux moun qui mouri sous place nan kafou fermat sa passé hier. Kone nèg exam sous moto mette de l'eau dans la population l'autre fois encore. La police la bien travail, mais bandi yo tout de temps en temps yo vle gâte ça. Asi yo met une fausse note. Ouais, équipe la bien joué la nèg yo ba yo débarqué yo mette fausse note. En ben là nan fermat Jean Doula sorti zone même Jean Thomasin. Oui, même j'ai la boule, mais plus même j'ai Thomasin qui sorti zone qui fait fret en pile, mais sorti zone côté moun yo posé, sorti zone non pas. Et ben côté facile ou t'ai gen désordre, gen problème, gen l'obey ka fait. Ben nèg exam fait moun nan zone ça reconnaît. Haïti a c'est tout côté gâté la dans moment. Haïti a c'est tout côté ou pas en sécurité dans moment.
Haïti a tout kotoye balma en capon. Haïti a tout kotoye là nan moment nèg exam ka rive sou. Et ça signal ça nèg oui pour moun fè mat la côté que deux moun perdu la vie au jan doulan nan station fè mat lan hier nèg exam sou moto qui passe qui fait dégâts ça fanatique Joe Canel journal 9 et qui den dou tout ben même jour ça même hier là ben nèg exam kidnappé deux moun au niveau de canapé vert. Pas trop loin sous commissariat canapé vert, OK? À une dizaine de mètres comme ça, une quinzaine de mètres comme ça, ben nèg exam yo même, yo kidnappé deux moun au niveau de canapé vert. Donc nèg yo commence à frapper. Nèg yo la police vle mettre l'ordre dans des ordres, ben nèg yo vle montrer la police que yo même yo là tout. En tout cas, parole la dit deto pa gonde dans même la cou. Ben si nèg exam yo eto yo, la police la li même son goto lié tout. Les détour ça va gonder faut gagne un qui est à terre faut gagne un qui bail bag faut gagne un qui quitter ça pour l'autre jusqu'à présent là nous connaît la police c'est lui force légale bramé et justice là c'est lui force légale dans pays hein gagne l'armée tout bon l'armée a nèg fait tout gens capable pour cocobel international là dedans blanc en mélange avec quelques conze ici t'a fait tout ça capable pour cocobel l'armée y a pas vle bal moyen pour le travail. Et la police là seulement ngé là qui tant bien que mal a goumé avec nèg exam yo a goumé avec bandi yo pour essayer de ramener la paix dans pays mais travail là pas facile. Travail là pas facile fanatique Joe Canel journal 9. Et kiden dou jodi an la même. Jodi an la même nèg exam selon information au niveau de Torcel t'a kidnappé Fabiola Dupou Léger qui c'est ce David Dupou nous connaît qui était maestro dans Crazy dans Crazy Music il était maestro tout dans compa créole moi quand j'étais conduit keyboard ouais mais là nèg exam t'a kidnappé monsieur et quelques heures après je t'apprends libéré oui quelques heures après il libéré Fabiola Dupou Léger qui était kidnappé je dis là fratique Joe Canel journal 9 ça qui montre que monsieur par son vitesse supérieure hein les gars examen là dernier jour ça là par son vitesse supérieure n'a causé kidnapping et causé faire crime dans pays là malheureusement c'est comme ça ça y est Fanatique Joe Canel journal 9. En parlant de nèg exam, en parlant de groupe gang, eh ben nous connais depuis quelque temps gen Fednel mon chéri qui gon tasse café en main, monsieur a boire là ensemble avec Pierre Espérance. Eh ben monsieur font l'autre sortie encore côté parler d'un groupe gang qui les 4x4 qui gen plusieurs monde là-dedans que Pierre Espérance c'est dans tête groupe gang ça. Bon Fednel mon chéri lui-même il gon tasse café en main là boire à Pierre Espérance en dedans de Fednel mon chéri qui était tout pour profiter tout à féliciter démarche qu'a fait pour libérer Chelson Sano. On a défendu mon chéri ensemble avec l'autre citoyen qui est le junior sous causé ça. Melis Moon qui fait partie de gang 4x4 là. Lafaye Jean Duquesne. Michel Gabar ou Johnny Marcellus. Grégory Libérus. David Dormé. Stanley Valéry. Franz Léveillé. James Leroy. Jean-Louis, sans nous pas oublier, fondateur gang nan, qui c'est Pierre Espérance. Un bon maire de famille. Nous remercions Pierre Marie Henry et nous remercions le ministre femme qui l'a actuellement là, comme ici, maman petite. Nous remercions le commissaire Lafontaine qui introduit le dossier ensemble avec le doyen tribunal civil là, maître Chavan Etienne, qui fraîchement nommé et installé, il a abordé le problème. Nan. Donc, quatre mouns plateforme politique victoire applaudit yo remercie yo parce que yo fait fond commun puis retirer Chelson en d'un côté lui là depuis 10 ans que Pierre Espérance Mario Lengil notaire Le Brun et madame du Sénat mettez-le et dans sens ça nous connaît bien pas rien qui sorti dans ordonnance tant qui condamné Chelson ça mais tout ça au dit là que l'était associé à ce malfaiteur. Quelques déclarations calomnieuses, il n'y a pas faire une pour contre lui. Chelson dans la prison, et puis reste équipe qui est en ville, yo, qui est en ville là, dans la rue. Donc, dans ce sens, ça nous dit que nous voyons comment on va évoluer. Vendredi, Chelson, tout le monde nous voyons un jeune garçon, un jeune type, 33 ans, pas bien là, 23 ans qui est emprisonné. Donc, il fait première comparution, et il est pour retourner en dizaine de jours. Et dans ce sens, on a continué mobiliser, motiver
la presse tout qui bail gros support dans plus passer 40 45 conférences nous fait pour dénoncer état de fait ça. Donc c'est un gros bagaille et le ciel a pris note. Et dans ce sens ça nous dit que madame Gilles qui s'est éclairé Kounia là avant pas d'éclairé ou t'es RNDDH. Donc ça veut dire que action en passé. Pendant que tu es dans l'administration fort, ou contribuer là-dedans, ou mettre Chelson dans la machine avec l'espérance, ou mener le bar au juge, ou mettre quelqu'un dans la prison, Chelson dénonce et le juge d'instruction indexe. Chelson dénonce, mais le juge là indexe. Et il dit quelqu'un, ou même madame Gilles, Pierre Espérance, madame du Sénat, Roni Elbeau-Brun, qui c'est notaire là, faut nous tous comparaître pour nous répondre à la question devant la justice. Dans ce sens, ça nous dit des CPJ. Parce qu'on fait pile effort en cas ça. On a pile information sur gang 4x4, sur planification, kidnapping qui t'a fait sur nous, sur assassinat, sur ce qui passé dans le local Père Espérance. Et le massacre d'Elma 32, il est planifié dans trois locales différents. Je suis en bas, trois côtés ça, dans le jour ça, qui côté était réuni à trois reprises pour monter dossier pour faire assassinat ça. Jean, qui te conduit à la mort de journalistes. Dans ce sens, ça nous dit que journalistes, ça a sorti dans la matrice, monsieur, dame, ça a. Mais au moins, libérer famille, libérer dans mon yo pour famille, ka chercher justice. Donc, dans ce sens, ça veut dire là, nous faire conférence ça et nous dit de CPJ, nous suivons li pas à pas. Monsieur, le compte, ou face à l'histoire, ou a choisi, est-ce que vous défendez bien l'espérance ou bien soit défendre le travail que l'État haïtien va vous faire comme auxiliaire de la justice. Merci. Télévisé et médias en ligne. Plateforme politique Victoire a salué la population haïtienne dans le respect une pour l'autre dans l'union frais accès pour une rivière bâtie, un pays côté droit monde respecter tout bon vrai. Détermination, bonne volonté, tête ensemble, pré-CPC sans condition intérêt mesquin. Pour elle permettre nous poter coller pour débarrer une autre année avec un nouveau Haïti. Dans la conférence de presse, là, n'a informé tout le monde que, premièrement, tu as une deuxième rencontre entre DCPJ et l'Organisation des droits humains internationales, OIHRSW, qui t'a fait bon chit à parler sous groupe gang 4x4 là, et qui gagne Pierre Espérance dans la tête comme assassin, kidnappeur, corrupteur et latrier. Selon information que Emmanuel Bissin, Jean-Louis, Maxon Labranche, Robinson Casimir, et surtout quelques employés qui travaillent dans RNDDH, te dénoncé dans micro la presse. Enquête de CPJ retrace réellement l'existence du groupe gang 4x4. Là. Nous condamnons à toute force nous. Emprisonnement M. Chelson Sanon pendant 10 l'année en pénitencier national. C'est pour la justice faire lumière sous dossier massacre d'Elma 32 qui était fait dans l'année 2021. C'est plus passé 50 motos que Mouché Pierre Espérance te gen en possession li pour mener plusieurs activités dans zak malhonnête selon déclaration numéro 2 gang 4x4 là, la faille Jean Duquesne te bay la police d'Haïti. Après arrestation li au kay jou jeudi qui était 7 octobre 2022 avec plusieurs autres nèg armés qui dans gang 4x4 là. Moto sa yo était là pour remplir mission avec mauvaise activité Pierre Espérance t'a de prendre longtemps depuis quelques jours. Dossier de CPJ a retracé sous plusieurs angles trace à empreinte leader RNDDH là sans que li poko jamais comparaître devant la justice. Nan monte faux dossier, bay menti, depuis caractère moun, n'a déclaré que Pierre Espérance pa gen ni titre, ni qualité, ni compétence pour gérer bagay qui en rapport avec droit moun. Parce que nous apprenons que li pa ni kon li pa kon écrit, et non plus, li pa recevoir aucune formation académique pour finaliser études primaires et études secondaires. Par exemple, le n'a pren tout dossier li traité yo. C'est un paquet de faux rapports li présenté société a qui bail un événement li pa ka prouver. Nan marché violé droit moun, li passé prend. Jocelyn Privert, Yvon Neptune, René Civil,
avec plusieurs autres policiers et des autres citoyens qui sont victimes en bas mêlé. C'est dans le marché fait mon habit à injustice, li passe pour Chelson Sanon. Qui est emprisonné pendant 10 l'année et qui nous considère comme plus gros kidnapping année 2022 si là. Proverbe la dit bah oublié, mais pour te mak songer. Pendant que Pierre Espérance a marché violé droit moun, journée jodi a, li besoin montrer peuple haïtien que c'est un défenseur droit moun qui est lié. C'est sous base ça, n'a lancé un appel à la nation pour dire que nous rete croire dans justice pays nous. Et puis tout, campé fonctionnant RNDDH là jusqu'à nouvel ordre. Libération pour Chelson Sanon, pressé, pressé, sans condition. C'est ça qui est priorité pour nous. Là, nous considérons ordonnance qui entre dans le cadre d'implication Marie-Yolaine Gilles dans le dossier Chelson Sanon, il faut lui démissionner dans cette organisation J'éclairé. En attendant, il y a une question devant la justice. Parce que li implique tout dans l'emprisonnement victime. Nan. Melis Moun, qui fait partie de gang 4x4 là. Lafaye Jean Dukens, Michelet Gabar ou Johnny Marcellus, Grégory Liberus, David Dormé, Stanley Valéry, Franz Léveillé, James Leroy, Jean-Louis, sans nous pas oublier fondateur gang nan, qui c'est Pierre Espérance. Massacre d'Elma 32, jour qui était 29 juin 2022, te permet nous identifier une vingtaine de monde qui mourit à deux journalistes. C'était Antoinette Duclair et Diego Charles qui sorti dans Matrice Vision 2000. Mes amis et des familles libérés dans mio pour joindre justice. Pour nous finir, n'a pas rappelé la communauté internationale là. Qu'elle finance RNDDH pendant 23 l'année côté réseau ça impliqué dans assassinat, kidnapping, corruption et la trier. Deuxièmement, pour tout le monde qui victime joint justice. Troisièmement, pour DCPJ sorti liste rapport qui en rapport avec gang 4x4 là ensemble avec moun yo arrêté dans dossier si là. Vive voilà, Haïti. Venel mon chéri avec Junior qui t'a déposé, qui t'a demandé, féliciter des matchs qu'a fait pour libérer Chelson Sanon, mais tout qui t'a parlé de groupe gang 4x4. Bon, Venel mon chéri, gen moun qui dit, gen moun qui dit c'est lui créé, qui j'en groupe gang en bas la ville là, et le corps, craché d'ife. Bon, gen moun qui dit c'est Venel mon chéri créé, craché d'ife. Bon, nous même nous pas connaît, mais lui même lui dit, gon groupe gang que le 4x4, c'est Pierre Espérance qui créé lui, mais groupe gang ça, c'est dans bouche Venel notamment. Del et dans bouche Fednel nous tendez causer gang 4x4 ça Fratik Joe Canel journal 9 en tout cas au compte formule là déjà nous même n'a continuer bousquer information tout partout pour informer de réalité pays y a qu'vinn pi malouk chaque jour plus nous pas suspendre informer malgré ça toujours kembe ou même si vous pas abonné à channel ça prend quelques secondes pour faire ça. Cliquez sur subscribe et puis cliquez sur petit cloche là pour qu'à toujours recevoir notification yo chaque fois nous partager une nouvelle vidéo avec vous sur page ça. Suivez nous sur Facebook, Instagram, Twitter, suivez nous sur www.journal9.tv et toujours vidéo bagay neuf pour nous dans Cash App, Zelle, PayPal pour qu'à encourager bel travail information sans camper journal 9 à faire dans tout pays. N'a pas camper là avec vidéo ça.